Salut à toutes et à tous, je vous retrouve pour un nouvel épisode de l'épisode numéro 10, 10e épisode les amis, de notre business challenge sur les Sims 4 au travail. J'espère que vous allez bien, moi je suis ravi de vous retrouver pour ce challenge, business challenge. D'ailleurs on va parler un petit peu de où est-ce que ça en est parce que j'ai fait le calcul de tout l'argent que nous avons récolté. Alors, j'avais dit au début des épisodes que j'irais à 50 000 Simflouz. Puis j'ai dit environ 5-6 épisodes après que je baissais le truc parce que je baissais le montant de Simflouz parce que honnêtement c'était mission impossible. Je me suis remarqué que c'était mission impossible. Du coup, j'avais dit que je baissais le challenge à 25 000 Simflouz. Actuellement, nous sommes à 17 000 Simflouz. Ouais, nous sommes à 17 000 Simflouz donc. Je tiens à prévenir direct le challenge, donc atteint bientôt sa fin. Donc honnêtement, bon il reste encore je pense, ok améliorer sa compétence de jeu vidéo, on s'en fout. Il reste encore je pense 2-3 épisodes et après on enchaînera peut-être sur un autre challenge. Vous pouvez me le dire dans les commentaires si vous voulez que je fasse un autre challenge, hein, y a pas de problème. Donc nous sommes jeudi 6h23 du matin avec notre Nathalie Lambert. Alors comme vous pouvez voir j'ai refait la déco du magasin. Donc j'ai mis un petit peu plus propre, honnêtement ça fait un petit peu plus ordonné, à part bon le lit et la douche qui traînent au fond, d'ailleurs on va les enlever. Hop. Ouais je sais pourquoi j'ai appuyé là moi. Hop. Du coup ça nous fait plus de sous. Du coup on va pouvoir s'occuper des mannequins, donc retenue aléatoire, maillot de bain. Là ça va être quotidien, voilà. Donc arrête de jouer sur ton téléphone, après on va ouvrir le magasin. Voilà. Et bah, notre employé va arriver. Après, on va continuer à vendre. Nous sommes à 17 000 Simflouz. Ça veut dire qu'il nous manque 5, 7, 8 000 Simflouz. Donc, je pense que on peut y arriver, les amis. On peut y arriver. Donc, allez, on va ouvrir le magasin. Marge à 25%. Let's go. On va choisir nos points d'avantage. Vu qu'on en a 2140, faudrait peut-être prendre quelque chose. Donc, alors, réapprovisionnement moins cher. Ah ouais, instantané. Les interactions sociales de vente utilisées sur les clients ont plus de chances de réussite. Oh. Oh, qui garantit qu'un client jettera un objet si vous l'utilisez sur lui. Ok. Réduit fortement le temps nécessaire aux membres du foyer pour remplacer. Oh. Oh. Ah bon, on va prendre paiement encore plus rapide. Et acheteur curieux. Attendez. Hop. Et peut-être approvisionnement plus rapide. Surplus superflu. Caisse enregistreuse de demain. Bon voilà, on a pris le truc pour quoi déjà? On a pris quoi? Merde, on sait même plus. On a pris le truc pour aller pour encaisser encore plus vite. Donc ça c'est plutôt un très 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 bon point parce que vous savez que voilà quoi, c'est un petit peu le bordel. Du coup le magasin il est bien ouvert hein, mais il n'y a pas de client. Wesh. Ah ben il y a notre employé qui arrive déjà, il y a Florent. Merde, Florent Pagny, je sais plus comment il s'appelle. Voilà. Allez ça y est, les clients arrivent, donc on va s'occuper de notre employé, assigner une tâche. Sa tâche ça va être de répondre aux questions des clients. Voilà. Et nous, bah, on va répondre aussi aux questions. Et comme ça, dès qu'il y en aura plusieurs qui voudront acheter des objets, on pourra encaisser encore plus rapidement. Ce qui est plutôt un très 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 bon point. Ah, il y a le petit là, qui veut acheter un canapé. Il n'y a pas de logique là-dedans. Ah, pourquoi on peut pas faire, pourquoi on peut faire que... Ok. Ils sont partis mais sans aucune pression. J'ai pas compris. Ok. Ok, ok. Attends, mais le magasin il est ouvert. Oui, il est ouvert. Se renseigner sur la fourchette de prix. Alors, ils sont rentrés. Ils ont fait ok, il y a un canapé. Au revoir. Non, mais il n'y a pas de logique là-dedans. Ah, ben ça y est, il y en a d'autres qui viennent. Alors, peut-être que lui sera intéressé par le canapé. Canapé qui a coûté 800 Simflouz. Donc, j'espère que ça rapportera vraiment pas mal. Il y a intérêt. Parce que, honnêtement, sinon, c'est le foutage de gueule. Hop. On va répondre aux questions des gens.
Donc je pense que cette vidéo durera environ 20-22 minutes par là. Enfin, vous savez, à chaque fois que je dis un temps mais que je le respecte pas, parce que j'adore m'amuser sur les Sims. D'ailleurs, j'avais annoncé sur des groupes, mais là je vais l'annoncer en vidéo, que je prévois un nouveau guide de téléchargement. Alors, il y en aura un, ça va être spécial été. Il va arriver fin juin, début juillet, parce que en ce moment je suis assez occupé. Je vous le cache pas, je suis vachement occupé. D'ailleurs, j'ai de moins en moins de temps pour faire des vidéos. Je sais pas comment j'arrive encore à en faire. Et il y en a un autre qui sera spécial coiffure, vêtements, accessoires. C'est-à-dire, ça sera vraiment, on va dire, que pour les Sims. Et d'autres, ça sera que pour les Sims, c'est-à-dire vêtements, accessoires et tout. Mais aussi pour ça sera, il y aura les objets aussi. Donc voilà. Donc je prévois donc deux guides de téléchargement sont prévus. Ainsi que dès que ce business challenge sera terminé, je suis en train d'étudier un nouveau challenge. Alors je sais pas si je vais le mettre, mais n'oubliez pas, je vous l'ai dit dans les commentaires, mettez vos idées honnêtement, parce que vous avez des idées, mettez-les, parce qu'il faut quand même que je vous fasse plaisir. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas. Attends, comment elle s'appelle, elle? Ok, on peut pas voir comment elle s'appelle ou quoi? Cassandra. C'est bizarre comme prénom. Hop, se renseigner. Alors j'aime bien les clients, ils partent mais sans aucune pression. Je comprends pas. Reprendre. Mais ici, toi, petite fille qui achète des vêtements pour hommes. Y a pas de logique. Marie. Charlotte Martin. Achète une lame. D'ailleurs, celle-là, elle est très jolie. Faudra que je la mette dans mon let's play. Ah, les joueuses. Ok. Ouh, regardez les nuages avec Raphaël. Ça sent l'amour. Insulter Elisa. Mais sympa. Laisse-moi cette idée à la tête. Devenir ami avec Eric. Mais oui. D'ailleurs aussi. Ah, quel choix! Quelle qualité! Bethesda. On va pouvoir voir s'ils encaissent vite. Alors attendez, parce qu'ils se déplacent là. Encaisser. On va voir si ça encaisse vite, attention. Ouais, ça a l'air d'encaisser un petit peu plus rapide. C'est plutôt bien. Ah, une petite fille. Où était? Où était? Ok, où es-tu? Achetez-moi un becherel. Hop. Ah merde, pourquoi je m'en pose? Ah merde, mais elle a pris encore. Quel choix, quelle qualité. J'achèterai quelque chose. D'accord. Alors attendez. Hop. Parce que ça ramène un petit peu un moment, donc je suis désolé. Donc là, elle finit d'encaisser la petite. Après, elle va encaisser l'autre là qui a pas de cheveux. Hop, allez, dépêche. Voilà, allez, encore. Donc là, il y en a une qui va acheter. Donc c'est elle. J'espère qu'elle achète le canapé. Ce serait bien. Non, ce serait bien. Donc on a fait combien déjà? On a fait 494. D'accord. Voilà, allez, hop, c'est encaissé. Honnêtement, ça va beaucoup plus vite à ce que je vois. Ah ouais, ça va vachement plus vite. Donc tu vas encaisser après Zest, après tu vas encaisser elle. Donc allez, dépêche-toi. Voilà. Ensuite, allez, encaisse Zest Johnny. Oh, elle a acheté le sofa stylé. Oh. Ah, mais faut, en fait, déjà, il faut acheter des meubles de luxe. Comme ça, on a besoin. Alors attendez, mais même en mode rapide, on n'arrive pas à encaisser un an, mais c'est quoi ce bordel? Dépêche-toi, vite. Eh bien, merde, trop tard. Trop tard, voilà, trop tard. Au revoir. On n'a pas été assez rapide, les gens. Bon, ben, c'est un petit peu dommage. Du coup, on va parler à la. What the fuck? What the fuck? Un peu bizarre, hein. Même rien quand tu regardes sa robe, tu te dis, what, ça se demande si c'est une hippie, la meuf, quoi. Bon, allez, répondre. Thomas Roux. Oh non, non, s'il vous plaît, pas de blagues sur les roues, les gens. Les gens, ne mettez pas en commentaire de blagues sur les roues, parce que. La dernière fois, j'avais dit un truc sur les roues, j'ai eu des blagues. Oh mon dieu, s'il vous plaît, ne mettez pas de commentaires sur les roues. Bon, allez, répondre aux questions. Enfin, comme vous voulez, hein. Y a pas de problème.
Du coup, il y a encore des nouveaux clients qui arrivent. Elle est passée où l'autre? Elle a disparu, elle est passée entre les murs ou quoi? Ah non, ok, elle est en train de regarder les lampes. Oh, notre ennemi. La meuf, on l'a virée, elle ose encore venir acheter des vêtements. Moi, je sais pas, mon patron me vire de mon boulot, je vais pas venir chez lui acheter des vêtements, c'est un peu abusé quand même. Mais bon, bref. Elle a encore qu'il y a une cache choix. Quelle qualité. Ok. Attends, mais il vient à peine d'entrer le mec, il achète? Il n'y a pas de logique. Hein. À moins que, genre, il a dû faire la réservation sur internet. Genre, tu vois, c'est comme si chez But en fait. Tu peux réserver et après récupérer un magasin, tu vois. Hashtag pub pour But. Ah, il y a le roux. Enfin, monsieur roux. Ah, il a un coup, c'est pas grave. Donc, dépêche-toi avant qu'il se pisse dessus là. Elle achète. Oh, 400 sims. Oh, on a déjà fait 2000 sims flows, les amis. Alors, sachant qu'il nous reste encore 8000, 9000 sims flows à avoir avant la fin de notre challenge, quand même. Atteint le niveau 3 de la compétence vente. D'accord. Et eh ben ça mérite. Non, pas une tâche, non. Ça mérite. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il nettoie. Ah, c'est super bien. Joue pas! Joue pas! Je me suis perdu en cacahuète tout seul. Mais encaisse! 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 Merci. Oh putain, mais la meuf, mais voilà, si tu en la regardes pas, bah je vois Candy Crush quoi. Mais attends, mais il achète deux trucs. C'est pas logique. Ah, il y a le petit bleu là qui arrive. C'est bon, t'achètes? Ben non, il reste bloqué. Ok, Sims buggé, les gens, Sims buggé. Mettez en commentaire hashtag Sims buggé. Que EA voit ce qu'ils font quand même. Hein. D'ailleurs, il y a un nouveau monde qui va arriver dans le jeu là. Ça s'appelle. Comment ça s'appelle déjà? Oh, il est bloqué. Putain, mais en caisse! Wesh, j'en ai marre. Hein. Bon, bref. Oui, donc je disais, EA, ils vont mettre un nouveau monde gratos là. Donc c'est plutôt pas mal. Ça s'appelle New Crest. Donc autant, peut-être qu'on fera quelque chose dans ce nouveau monde. Peut-être avec mon let's play de base avec notre famille, ça pourrait être pas mal. Ah, une autre qui va acheter, j'espère qu'elle est pas buggée parce que là. Bon, moi j'abandonne avec toi, tu me passes les pieds. Oh. Adieu. What's up? Hop. 280 simflouz, plateau de parfum chic. Ah, téléphone. Jacques Dubois, on s'en fout. On est au boulot, les gens. Non, mais. N'importe quoi. Ah, ah oui, il y en a. Elle est où la meuf qui veut acheter? Elle est là. Elle va acheter quoi? Elle va acheter un sac à dos pour sa fille, j'en suis sûr. À moins que c'est pour elle. Ce serait un petit peu bizarre. Honnêtement, je l'avoue. Une meuf de 35 ans qui achète un sac à dos pour 8-9 ans, quoi. C'est un peu chaud quand même. Oh, notre ennemi. Vas-y, achète des trucs chers là, on va bien t'arnaquer. Allez, hop, 212 sims plus en plus. Sac à dos du point. Non, mais ces sacs à dos, ils font une fureur. Oh, c'est abusé. C'est abusé. Elle a acheté la tenue. Okay. Elle a acheté la tenue à 219 sims plus. Ah, quel choix, quelle qualité, ok. Non, mais tu vas pas dormir. Tu vas pas dormir. Voilà, merci. Allez, continue à encaisser les sous là. Oh! j'étais choqué juste pour une animation carton là. Que ça y est, Narmol. C'était quoi le plat? C'était quoi l'objet déjà? Merde, je sais plus. Attendez. Juste pour un distributeur de savon, j'ai commencé à partir en cacahuète. Hein. Bon, bref. Allez, encore des clients qui rentrent. Oh, mais c'est abusé quand même. C'est beaucoup. Et pourquoi ces lampes sont allumées et pas livrées? Tous. Magasin est ouvert la nuit, les amis. Non, sérieusement, on va fermer à minuit, hein, comme chez McDo en été, tu vois. Se renseigner. C'est qui, lui? Mais c'est notre employé, Oh, il ressemble... Les amis, j'ai cru que c'était Benjamin des Princes de l'Amour, quoi. C'est abusé. C'est abusé. Ah, quel choix, quelle qualité. Ok. Allez. Mais lui, ça va être la sixième fois qu'il achète des sacs à dos. Il les collectionne ou quoi? Je comprends plus, moi.
Je comprends pas la logique des gosses, hein, vraiment. Enfin, de ce gosse, parce que c'est vraiment les. Mais les gosses dans ce jeu sont. Sont spéciales. Du coup, il a acheté encore le sac à dos. À 212 aussi, me flouze. Ah merde. Benji des princes de l'amour veut acheter le sac à dos. D'accord. D'accord. Bon, vous savez quoi les gens, la prochaine fois que je fais l'inventaire, mais je mets 20 sacs à dos parce que j'en ai marre à chaque fois, c'est ça. Donc c'est bon, stop. Là, il y a encore des acheteurs là. OK, c'est vite. C'est acheté. Hop, ensuite, lui là, Raphaël Garnier. Dépêche-toi. Vite, allez, il y a la rouge là qui va acheter, vite. Vite, vite. Putain, mais bon, quoi. Nos Sims ils sont buggés, non? Attends, du coup, non, c'est pas très cool. Ah merde, du coup, on peut pas. Donc, allez, encaissé. Sac à dos, ok, vendu. Hop. Elle est où? Elle est là. Ok. Mais elle est dans un état. Oh. Ok. Toi, si t'as buggé, bon, allez, dégage. Bug tous là. Mais on continue de gagner des sous quand même, hein. C'est spécial. Ok. Bon, du coup, les amis, on va fermer le magasin. Et on se retrouve pour une deuxième journée dans quelques instants. Voilà, voilà. Re les gens. Allez, on va continuer nos ventes. Donc, il est 5h15 du matin. Notre sim s'est énergisé, ce qui est plutôt bien. Alors, on a fait 2920 simflouz. Enfin, plus précisément 3178. Et, merde, je voulais dire quoi. On m'a dit, pourquoi tu montes pas ta maison? Il y a plusieurs gens qui m'ont dit, pourquoi tu montes pas la maison de elle. Donc, je vais pas la montrer parce que c'est un business challenge. Donc, c'est sur le magasin. Et pas sur... attendez, on va remplacer l'objet. Et pas sur sa maison. Mais si ce personnage vous intéresse, pourquoi pas faire un challenge ou un let's play ou autre chose tout simplement avec ce Sims. Pourquoi pas. Voilà, vous pouvez me le dire dans le commentaire si ça vous plaît. Donc deuxième journée de boulot, il est 6h du mat. On est en train de remplacer petit à petit les objets. Donc on va surtout remplacer les sacs parce que c'est ceux qui se bannent le plus. Hop. Sac à dos. Je mangerai tout seul. Bon, allez, hop. On va aussi remplacer les tenues. Donc, on va faire une tenue sport ainsi qu'une tenue fête. Donc, ça remplace bien sûr toujours pas vite. Hein, on est habitué. Et on va... non, attendez. On va plutôt attendre qu'on finisse de mettre les objets comme il faut parce que j'ai peur après à chaque fois de faire une boulette. Donc je préfère pas faire des conneries. Donc là c'est bon, il nous reste pas grand chose à faire, donc on va ouvrir le magasin. Ensuite on va aussi s'occuper de ce mannequin. Donc créer tenue aléatoire, maillot de bain. Elle aussi créer tenue aléatoire, maillot de bain. Remplacer l'objet. Hop, là aussi remplacer l'objet. Ah ben trop de trucs. Du coup les clients vont bientôt arriver ainsi que notre employé. Voilà, notre employé est là, il est prêt à la caisse. Il est aussi en train de nettoyer, ce qui est plutôt bien. C'est un très très bon employé, je trouve. Hein. D'ailleurs, on va lui faire une petite promotion. Donc, on va le promouvoir, le rétrograder, le féliciter. Bon, allez, le féliciter, hein, voilà. Et après, on lui dira la tâche de répondre aux questions des clients. Donc ça y est, les clients sont là. Donc elle essaye cette tenue là. Hop, donc fini de t'occuper de ça. Et après tu iras fister ton employé. Et pourquoi pas s'occuper d'elle. Donc discuter préférence. Achat. Ah mais non, avant il faut lui donner une tâche. Donc attendez. Allez, fini de commander le truc pour se laver les mains là. Je sais plus comment ça s'appelle. Voilà, on l'a félicité, maintenant on va lui okay. Assigner une tâche, répondre aux questions des clients.
Allez, tandis que nous, on va continuer à répondre aux questions, aux préférences d'achat, etc., etc. Hop. Oh, il y a un vieux. Denis Kim. J'ai cru que c'était Kim Kardashian, en fait, moi. Je m'invente des trucs. Bon, bref. Mais non, mais c'est pas une... Ah non, mais je croyais que c'était qu'il était habillé en Star Wars, le truc, en fait, mais non. Oh, il y a Monsieur Roux et Bob Pancakes. Alors, la dernière fois que j'ai vu Bob Pancakes, il était mince. Deux jours après, je le vois gros. Je cherche la logique, les gens, je cherche la logique. Bon, bref, hop. Allez. Termine de répondre aux questions des clients, parce que ce serait bien que les gens achètent, là. Donc, j'aimerais faire environ 2000 Simflouz. Comme ça, on aura fait 4000 Simflouz. Ouais. Pourquoi il y a 1445? Je comprends pas. Bon, bref. Attends, 1145. Oui, 145. Ok. Ok. Allez, les gens, achetez, bordel. Il est 11h du mat, là. T'as personne qui achète. Ça me casse les pieds. Ah, c'est bon. Quelqu'un achète. Toc, toc, toc. Direct, qu'on a tout supprimé, là, sans aucune pression. Le sac à dos. Ok. Ok. Je vais refaire l'inventaire au prochain épisode. Dites-le-moi dans les commentaires. Sac à dos. Enfin, dites-moi de mettre des tonnes de sac à dos là, parce que c'est n'importe quoi. Je sais pas pourquoi les gens sont autant intéressés par un sac à dos rose quand même. Surtout que c'est les roses qui se vendent le plus, quoi. C'est assez chaud. Genre, c'est pas les noirs avec la tête de mort là. Ils sont mignons pourtant. Du coup, oui, elle a acheté le sac à dos. Ensuite, ah, un autre. Donc on va le mettre ici. Hop. Ensuite, il a acheté, c'est bon. Il a acheté. Mais allez, il a encore bugué. C'est reparti. Bon, ben, on va réessayer une deuxième fois. Si ça marche pas, ben, vous savez quoi, je laisse tomber honnêtement. Et on encaissera les autres. Voilà, c'est pas grave s'il veut pas. Bon, allez, répondre aux questions, discuter préférences, saluer. Ok, là on peut pas. Ok, bon, on peut pas, il bug. C'est pas grave, tout va bien. Non, non, c'est pas la mort, c'est... Je sais pas, il est un peu bugué. Ah, bah du coup, Bob va acheter. J'espère... Oh, va acheter sa cadeau rose. Ah ben non, mais attendez, mais la meuf tout à l'heure elle a pas acheté de l'eau rose, elle a acheté de la tête de mort. Ah ouais, bah c'est bon. Alors. C'est-à-dire qu'ils sont bien. Ah merde, on a deux clients. Tu peux te dépêcher s'il te plaît là. Putain, mais elle est allée dehors cette mongolienne. Oh là là. Encaissé. Voilà. Bon, ok, il a acheté le sac à dos rose. Nous cherchons la logique. Allez, dépêche-toi. Mais elle fait quoi? Ah mais ok, elle est en train d'encaisser l'autre. Je l'ai même pas vu. Ok, encaisser, après tu encaisseras elle. Allez, dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Vite, 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 vite. Oui, allez, tu l'as encaissé, pars-toi. Allez, achète, voilà, t'achètes ton maillot de bain qui est dégueulasse, qui va pas du tout sur toi. Maintenant, vas-y, dégage et laisse-moi encaisser les restes. Hein. Les restes. Le reste. Allez. On va fermer le magasin à 20h, je pense, déjà. Ok, elle a acheté le canapé à 606 Simflouz. On a déjà fait 1200... Ben, 1145 plus 104. Ça fait 1209. 1209 Simflouz, les gens. Donc, c'est plutôt bien. Oh, merde. Oh, téléphone. Véronique, mais ça y est, t'as acheté un maillot de bain, tu te sens plus, là, t'as acheté ta pote. Non, mais toc, toc. Toc, toc dans ta tête. Bon, allez, hop. Répondre aux questions de ces petites dames. N'empêche, j'adore l'ambiance des magasins. C'est vraiment énorme. Honnêtement, il y a une bonne ambiance, tu vois, de jouer dans les magasins et tout. On s'ennuie pas, en fait. Il y a toujours des nouveaux objets à mettre, etc. Même si c'est des... Même, on peut même mettre aussi des objets téléchargés, ce qui est plutôt bien. Donc, honnêtement, j'adore. J'adore. Ah, quel choix, quelle qualité. Allez, hop, on va. Wesh. Mais c'était un fail. Une fois de plus. Ah bah oui, bah là il y a le roux.
On va voir si c'est un fail. C'est un fail, le jeu meurt, d'accord. Allez. C'est quoi un roux qui se gratte? C'est une carotte râpée. D'accord, je me tais. Je me tais, y a plus de respect pour les roues, le respect des roues a disparu. Heureusement que donc d'après Facebook, en 2060, il n'y aura plus de roues. Donc voilà. Bon, allez. Oui, c'est bon, il a pas bugué, donc il a acheté la tenue, mais il a toujours un pissé, wesh. Bon, c'est pas grave. Allez, donc toi tu parles à ce gars là, donc salut en même temps. Y a le petit là, comme d'hab, Alexandre. Discuter de la paix dans le monde. On s'en fout. Allez, on continue de parler aux gens. Oh, ça se passe mal. Il n'y a pas grand chose qui m'intéresse ici. Et le personnel de vente n'est pas vraiment agréable. Je vais aller voir ailleurs. Alors la meuf du premier épisode jusqu'au 9ème, elle est venue au 10ème épisode. Elle se dit oh, c'est nul en fait. Toc toc, n'importe quoi. Allez, barre-toi. Tu sers à rien, de toute façon tu n'as pas acheté. Donc voilà, c'est bon. Ah bah voilà, elle est heureuse. Elle a mis dehors, elle est heureuse. Bon, allez, hop. Ok, un nouveau client qui vient de rentrer là. Et chef, vous m'avez fait des heures supplémentaires aujourd'hui. Comment vous allez venir? Ok. Eh bien, rentre, mais ça va, de toute façon, honnêtement, c'est un bon employé. Donc, les gens, donc si vous avez. Comment il s'appelle déjà? Comment il s'appelle? S'appelle Eric Lefebvre. Donc, si vous l'avez en proposition, honnêtement, prenez-le parce qu'il est vraiment top. Ah. Ah, ben non, en fait, je croyais qu'il y avait quelqu'un qui a acheté, mais non. Hop, pas de questions. Donc là, il n'y a plus personne qui achète, donc je pense que c'est bientôt la peine de la journée. Ah, quoique. J'ai rien dit. On va l'encaisser, du coup. En espérant qu'elle ne soit pas buggée. C'est bon, elle n'est pas buggée. Donc 280 simflous en plus. Donc notre sim, ça commence à aller mal. Et on est... Oh là là, on a fait plus de 25 minutes de vidéo. Bon, mais c'est énorme. Bon, allez, attendez. On va voir si encore il y a des clients qui veulent acheter, mais sinon on arrête. Bon, je pense bientôt se quitter, les amis. Ouais. Bon, il y a notre Sims, et il est mort là. Donc, fermez le magasin. On a fait 1749 Simflouz en plus, ce qui est plutôt bien. C'est presque 2000 Simflouz. Vous savez que je compte pas tout ce qui est réapprovisionnement et tout. Donc, on a fait presque 4000 Simflouz à cet épisode, ce qui est plutôt bien. La fin de ce challenge, donc je pense qu'il y aura encore 2 épisodes et après, on l'aura acquis, on l'aura terminé. Donc voilà, c'est la fin de cet épisode numéro 10 de notre business challenge sur les Sims 4, trop de travail. J'espère qu'il vous a plu, moi j'ai adoré le faire. Vous pouvez laisser un j'aime sous la vidéo si c'est le cas, vous pouvez aussi laisser un commentaire. Et aussi vos idées pour le prochain challenge. Si vous voulez que je fasse un nouveau let's play ou un nouveau challenge, n'hésitez pas à me le dire aussi dans les commentaires. Et puis moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde.